Ouais.
De vodka pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de vous? Il y a maintenant quelqu'un. Les toilettes ou la sortie. Ouais, voilà, voilà. Je peux Paris, Paris, il y a des places comme ça.
Il y a là-bas tout ça. Je me donne le canapé, moi, je sais pas. Sans autre. Viens. Ah, il y a des gens qui veulent s'asseoir. Voilà. Moi j'ai fait le best-of de l'aimant bleu pendant 6 mois. Oui, je me rappelle. Non, c'était bonjour. Et après, on entendait le rire de Kirna, on croyait que c'était le mien. En plus, le rire. Vidé de trop de danse ou de trop d'alcool ou de gestes crus, arpentant la ville à l'envers dans des aubes mouillées, pratiquant la scène de façon amoureuse et désinvolte. Jamais inquiète des excès ni des commentaires publics, s'infectant organes
après organes, direction hôpital. Direction hôpital et retour à la maison, repos discret, puis recommencer. Recommencer à travers toutes sortes de formes improbables, actes rituels ou provocateurs, spectatrice, amoureuse, mais d'être différent de moi. Est-ce désir de rejoindre la normalité, de trouver l'équilibre, la santé? Qui a tué en moi cette jeune fille? Qui a tué? Qui a tué?
Tire-toi. Attire-moi. Je le sais simplement parce que je...
Qu'est-ce que représente l'art pour vous? Et la merde. Et le futur. Et le néant. Et le roi. Et l'Afrique. Afrique. L'Afrique. Je ne peux pas changer grand-chose d'autre. Moi, aveugle, plus lucide, j'aurais adoré. Mais non. Plutôt, il y a quelqu'un que j'aurais adoré tuer. Je cherche encore comment. Le problème, c'est le bruit que fait une âme. Ça me dégoûte. Vraiment. J'ai pensé. Le bruit d'un couteau qui s'enfonce dans la chair. Donc, j'ai pensé à une autre option, le poison. Mais c'est trop féminin. Et puis, se procurer une arme. Je me suis renseignée, c'était pas évident. Donc, je me suis dit qu'il valait mieux. Arrêtez d'y penser. Dans la fiction, oui, pas dans la réalité. Je suis une infirme de ça.
Affirme, avec l'amour. Tuer ? Non. 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 Mais mourir pour quelqu'un ? Oui. Mais ensemble, pas tout seul. C'est un truc à deux, ça. Mourir à petit feu. Je suis mort, morte, plusieurs fois à petit feu. C'est une sensation. Oui, oui. Oui, mais j'ai pas envie d'y croire. L'étrange, c'est oublié. Oublié. Pas mourir. Oublié. Et j'ai retrouvé l'amour là-dedans. Tout ce que je suis en train de te dire, je vais le changer. Quoi ? J'aimerais bien retourner en arrière, recommencer, être plus jeune, retrouver une forme de jeunesse. J'essaie, c'est assez drôle. J'essaie, sincèrement, je suis présent avec ces sensations, ces points de vue. Et le passé revient me visiter. Ça n'a pas changé, ça a toujours été comme ça. Non, ça c'est pas quelque chose qui m'arrive. Mais si on me demande, tu me demandes, dans la vie de tous les jours. Oui, je pleure plus qu'avant. Non, changez-moi, non. Je n'ai aucun désir de changer la société, non. J'aimerais bien éviter le sujet. La société ? Changer tout ? Mais changer quoi ? Changer une chose ? Changer la condition ? Changer l'action même ? Changer l'action ? Alors, passer par quoi ? Trouver une forme d'échange, un continuum, un certain moment, participer au projet de cette personne, c'est mon chemin, le chemin de quelqu'un qui cherche un mode de relation qui ne serait pas basé sur le pouvoir. Tu peux rien faire pour moi. L'on peut faire quelque chose à deux, à plusieurs. Je dis toujours oui, je peux facilement dire oui, mais c'est peut-être là où je me trompe. Quand tu dis oui, c'est de l'énergie que tu donnes. Martyr que du bourreau. Je ne suis pas du tout une croyante en quoi que ce soit, mais je suis née un 24 décembre avec mon corps, témoin d'un acte violent en direct. Si je remonte très loin, non, j'ai toujours des questions dans cette situation. En fait, j'ai l'impression qu'il faut une grande liberté dans le corps pour être violent. La liberté, c'est une fenêtre assez étroite. La liberté ne m'évoque pas grand chose. La liberté, c'est la liberté, ce serait de pouvoir s'exprimer sur. J'aurais aimé deux hommes, face à face, avec dans l'un un homme et dans l'autre une femme. Moi, j'ai une sensation, j'ai une ressemblance. C'est très fragile, l'espace, elle et moi est fragile, la façon de sentir. Je pense que j'ai été élevée comme une femme, qui allait devenir une femme, et j'ai fait mon propre chemin d'homme. Mais je n'ai pas d'amie femme, je n'en ai jamais eu. Je ne peux pas être amie avec une femme, mais je peux la contempler. Alors j'ai regardé ça, chez un homme, sa part de féminité, qui montre à l'identique. Ça m'intéresse de voir. Oui, vraiment. D'ailleurs, je pense que c'est un problème qu'il faut régler assez vite. Pourquoi devenir une femme quand on peut naître un homme ? Prénom Carmen.
avec les coupables d'un côté et les innocents de l'autre. Éviter ce genre de situation en fait. J'ai l'impression qu'il faut une grande liberté dans le corps pour être violent. La liberté, c'est une fenêtre assez étroite. La liberté, il ne m'évoque pas grand-chose. La liberté, ce serait de pouvoir s'exprimer, sans retenir les choses, se laisser aller. Des fois, j'essaye d'être méchant, méchante, comme un jeu. Mais je ne suis pas méchant, méchante. Je ne suis pas méchant. 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 On utilise encore ce mot ? C'est les enfants qui utilisent ce mot. Le corps, c'est un sujet délicat. Si je parle d'eux, j'ai pu vivre une violence qui a été faite sur mon corps, mais pas sur le corps de l'autre. Je suis plutôt du côté du martyr que du bourreau. Je ne suis pas du tout un croyant, en quoi que ce soit. Mais je suis né un 24 décembre. Trouver une forme d'échange, un continuum. À certains moments, participer au projet de... Encore. Je t'aime encore.
Je vois. Aussi, un monde de froid et sec. Oh. Oh. La triple. Oh, queen. Let me hey, a wall. Vous plaiderez coupable, monsieur Guilty. Oh, 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 let me play as a queen. Let me play as a queen. Le violent, fragile, sportif, la star, et côté tragique, l'histoire, mais soit le corps comique, aboiement véritable pour un cauchemar scandaleux.
Le point de départ, c'est le micro. Ça fait 3 semaines que j'ai plu. Une définition? Une définition? Je cherche. Je me plais. C'est pas forcément lié à la sexualité. C'est pas forcément lié à la sexualité. C'est ce qui est précieux. Ce qui est précieux. Le contraire de ce qui détruit. Le contraire de ce qui détruit. Elle pose le micro sur son cœur et enfin le silence se fait. Elle pose le micro sur son cœur et enfin le silence se fait. Vous entendez? Vous entendez? Elle pose le micro sur son sexe. Elle pose le micro sur son sexe. Elle a des soupirs d'amour et s'enfonce presque le micro dans la gorge. Elle a des soupirs d'amour et s'enfonce presque le micro dans la gorge. Encore. 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 Elle reprend ses soupirs d'amour. Elle reprend ses soupirs d'amour. Qui deviennent des cris de douleur. Qui deviennent des cris de douleur. Et c'est pour ça qu'elle recommence les mots. Et c'est pour ça qu'elle recommence les mots.
partir, moi. Thank you.
la dimension, le devenir, le futur, l'avenir, l'être, le non-être, le moi, le pas-moi ne sont rien pour moi. Le bon moment, la meilleure façon, la langue propice, celle qui s'enfonce vraiment doucement, vraiment profond et vraiment bien. Dis-le-moi, j'aimerais tant te faire plaisir encore. Je veux. Comme j'ai joué, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais gagner quand ce sera fini? Une histoire s'arrête ici, alors l'histoire continue. L'histoire continue. Où s'arrête? Un beau matin. Une société idéale serait pleine de détours et de rêves enivrants, légères,
sans moralité, ni insistance, fragmenté en passages heureux et dissolus, dans un silence non criminel. Tu t'appelles Juliette? Non. Non. William? Non. Non. Tu es né en Sicile? Non. Non. En territoire occupé? Non. Vers quelle heure? Non. Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Quelle origine? À quoi bon cette question? Totalitaire? À quoi bon cette question? Oui. Libéral? Oui. Depuis les banques et les casinos? Depuis les banques. Syndical? Le drapeau d'idéal est tombé depuis longtemps. Démocrate? Disco! Disco! Tu as peur? Non! Tu penses que l'absence de peur est la bonne manière? Je ne connais pas les bonnes manières. Une question de technique? Non! D'éducation! Je n'ai pas dit culture, j'ai dit éducation! Tu as les idées claires? Je ne sais pas. Tu aimes les mots autant que la drogue? Tu penses à quoi? Au bon déroulement de notre activité présente! Tu prends la drogue? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu penses à la mort? Oui! Oui. Le paysage m'y semble agréable. Dieu, c'est quoi pour toi? La présence des autres possibles. Possible? Que sais-tu de la guerre? Rien! De l'Amérique? La roulette russe. La roulette russe. Un coup de feu accidentellement tiré sur les piscines. Les piscines. MTV. Et un road movie qu'on appelle. Le Tu as visité l'Irak? Le Congo? Je comprends pas. Tu as fabriqué des maisons? Des écoles? Pardon, j'ai oublié, pardon. Penses-tu que les enfants peuvent se passer d'éducation? Quand tu auras tout renversé de ce monde, reviens me poser la question. To hear the children sing.
Tu aimes la baise? Beaucoup, oui. Tu baises de toutes les manières. J'essaie. Qu'est-ce que tu préfères dans la baise? L'expérimentation et l'amour. Tout le monde en est-il capable? Bientôt. M'aimes-tu maintenant? Je te quitte, Joseph. Adieu, Joseph. On dirait un roman porno. Tu vas me faire chialer. Il arrive qu'une personne fugue si loin en elle qu'une nouvelle vie commence. Mais il est toujours quelque chose de son précédent bras qui la rappelle. La fugue a une cause psychologique. L'abus d'alcool chronique également joue un rôle. L'alcool comme réponse à une très haute tension ou à la suite de circonstances tragiques comme les... inondations. La restauration des larmes est généralement spontanée. Je peux faire la musique si vous voulez. J'aimerais être une baigneuse en bikini sexy, qui pousse des cris de douleur, doux venin sur sa propre langue. Mais soudain, la baigneuse n'est plus une plaisanterie, simplement parce que je dois la représenter. Avec insolence, je me presse dans le cercle des vivants. J'étais là avant cette dame, j'attends déjà depuis si longtemps. S'il vous plaît, donnez-moi une paire de brassards pour me porter. Lumière! Parfait. Parfaitement. Voilà, j'y suis. Ici, tout à coup, la lumière clignotante des flots qui n'ont pas freiné pour moi, alors qu'ils le font même pour les animaux. Et voilà que ces dents de flots s'enfoncent dans ma calandre, tranchant des poings.
moi dans ma combinaison où j'ai entreposé mes formes. Pas moi. Dans un éclair pourpre. Mon capot reluit encore une fois. Et doucement, la balée s'élance par-dessus moi dans un saut élégant. Même moi, la balée, encerclée de montagnes, aurait dû m'abriter. Mais quel stupide embarras. À chaque fois que tu me jettes au loin, alors que je pourrais vivre heureuse sous la tonnelle de mon cher pays. Texte, au loin, un bonheur dans des espaces d'or, oui ou non. Ah, à vous de décider. Pourquoi tout le monde, et même moi, nous sommes-nous maintenant... S'il y a quelqu'un qui veut m'embrasser, pardon. Le bonheur. Vous auriez dû attendre. Monsieur ? La lumière rouge clignotante. Quelqu'un qui veut m'embrasser ? Qu'ensuite. Mais peut-être que le tourment vous est un plaisir. Et voilà ! Maintenant, le candidat adverse a gagné ! Lumière ! De toute façon, c'est trop tard. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui a trouvé son bonheur. Mais le malheur, n'est-ce pas un bel enfant aussi ? Mais d'une autre mère. Pourquoi n'avez-vous pas choisi le malheur? Il y aurait beaucoup à dire, surtout ce qu'abritent les vallées. Monsieur, est-ce que je vous dérange? Je suis en train de travailler, moi, ici, monsieur. Veuillez sortir. Il y aurait beaucoup à dire sur ce qu'abritent les vallées. Sur ce que je désire secrètement, sur l'endroit où quelque chose fleurit, et sur l'endroit où la lumière du jour est à présent retombée, là où je ne peux la trouver. Le malheur des eaux, pas mal aussi, je le distingue de plus en plus clairement, enluminé d'une triste mélancolie. Ah non, c'était une lumière, un simple reflet futile sur l'écume des vagues, et pourtant... Il se rapproche de moi de plus en plus vite, des lames tranchantes. Sophie ! Hey ! J'écris ! Et j'écris ! La reine du monde ! Voilà ce que je suis ! Seulement, comme si souvent personne ne me voit, je n'arrive déjà plus à respirer. Et d'un jet en rêve, mes frères, la lame de ses os, c'est tout de même pas. Alors que j'ai cherché si longtemps, erré dans le monde si longtemps, sans quitter mon bureau, si longtemps et si seul, il n'y a tout même pas à la dernière minute quelqu'un qui va habiter d'une manière aussi désagréable que moi sur la lame du rasoir. Pourquoi autant de gens inutiles habitent-ils ici tout à coup? Des gens pour... Impossible! Ma belle envolée m'a entraîné jusqu'ici. Et voilà que mon grand aussi se sont mis à avoir leurs envolées, comme je le constate. Non, je ne peux pas y croire. Je vous le dis. Il va y avoir une tempête. Puis, silence! De mort! Pardon. Ciel, je ne voulais pas t'offenser avec mon modèle allemand milieu de gamme, il y a 16 ans, des matégères sur la mer depuis un certain temps. Mais je peux aussi me perdre plus confortablement si vous le souhaitez. Voilà. Cette poupée de cire. Je veux dire cette poupée de gardiennage et de surveillance à mon bureau. Ça, c'est moi. La fille d'une mère qui s'accroche pour que des hommages lui soient rendus. Plus tard, elle sera reine et son cœur, condamné à lui-même, se balancera. Maintenant, plus que jamais, désespérément, seule sur les vagues.
Nul regard ami pour se pencher sur elle, aucune phrase à bout de souffle flottant à ses côtés. Nul foudre grandi spécialement pour elle, aucune nuée s'amoncelant autour d'elle. Cousue exprès, avec ce tissu gris que j'ai acquis à bon prix. Ne criez pas comme ça, j'en ai encore des tonnes. Ces vagues qui me reflètent de l'amour, elles au moins me regardent enfin. C'est ce que je croyais, mais c'était un accident de voiture. Même les feux stop du petit devant ne pouvaient pas me réjouir. Je les ai pris pour ma lumière, à moi, que j'ai suivi tant d'années, agile et paresseuse à la fois, lumière têtue qui voltait devant moi, et en fin de compte, ce n'était que la mienne. Je vois clignoter un panneau indicateur. Il m'indique la direction des villes. Lumière. Mais je mourrai seule. Voilà. Je suis vraiment désolée que l'on se rie de moi maintenant. Juste parce que je ne m'agris pas. Je ne m'agris pas. Je ne m'agris pas. La grippe A. La grippe A, je m'agris. Ah. Ah. Ah, la grippe. La grippe A. Je m'agrippe à cette masse d'eau qui veut m'aspirer. Et chaque fleur chancelle, et pas une étoile ne me demande mon avis. C'est au ruisseau que je confierai tout ce que j'aurais d'apprendre. Oui, c'est comme ça que je l'ai personnellement vécu. Avec des pneus qui eux aussi avaient vécu. Et maintenant, ce grave accident, absolument inévitable, bien fait pour moi. J'étais la seule, une fois de plus, à être aveugle. J'ai prétendu être voyante, mais ce qui s'est envolé devant moi n'était que les heures de ma vie. Il fallait que je reste à la maison, comme un chien, sans agneau à déchiqueter. Je lis de beaux livres là-bas dans la haute vallée, mais même si je pleure à chaudes larmes, que fais-je maintenant? Dans l'eau. Bon, je ne chanterai tout de même pas dans les convictions incassables, enfant en pleurs que je suis, et sans pouvoir le dire seulement quoi. Fant timide que je suis, je cherche la balle des allégements, pour alors me l'envoyer qu'à quelqu'un d'autre. Non, elle n'est pas pour moi. Regardez bien, ce n'est pas la bonne adresse, et en plus, je suis la seule à être de mon côté. Et je n'ai pas pu non plus en gagner une. Je ne peux pas dire ce que je veux ni pourquoi. Je vais essayer encore une fois. Je me porte moi-même dans l'obscurité, car maintenant, même les phares se sont éteints, trop bête. S'il vous plaît, donnez-moi un peu de ravissement pour mon chagrin. Comme il fait froid. Nul clair de lune si paisible. Nul rêve qui ne me trompe. Nul monde lumineux qui n'éclot autour de moi. Nul tout regard qui ne rayonne autour de moi. Pas même la lune cigare. Et comment ? Il ne marche pas sur batterie. Peut-être a-t-elle été noyée, elle aussi. Laissez-moi tranquille. Oh. Hélas, la première blessure, dans le que je ne cherchais pas, est mortelle. Même si je n'ai pas compris la question, je commence à y voir clair. Je me penche par-dessus de moi, et je dis quelque chose de moi, et je l'envoie, et m'emporte le train ici, dans un lieu profond. Coupé. Et qu'est-ce qui reste? Que je suis suffoqué.
on extériorise, c'est foutu. C'est hyper dommage. Tout au début, j'ai senti. Je sais pas ce que je cherche. Parfois, je cherche un chemin. J'ai pas un plan. Je veux juste discuter un peu. Vous vous souvenez? Le premier mouvement. La première fois. Il y a plein de règles. On teste la règle. On teste la résistance. Je marche. Je veux essayer une dernière chose. Je veux qu'on se retrouve assez proches l'un de l'autre. Je veux seulement voir un corps. Je veux seulement que ça continue. Everyone is there. In fact, tout le monde est là.
everyone will leave at exactly the same time. Tout le monde repartira exactement au même moment. When the party is over, it will start again. Quand la fête sera finie, elle reprendra. You won't be any different. You will be exactly the same. Elle ne sera différente en rien. Elle sera exactement pareil. Heaven, no, heaven is a place. A place where nothing ever happens. When this kiss is over, it will start again. Quand ce baiser aura pris fin, il recommencera. You won't be any different. It will be exactly the same. Il sera rien différent. Il sera exactement pareil. It's hard to imagine that nothing at all could be as exciting, could be this much fun. C'est difficile de concevoir que rien ne soit à ce point passionnant, ne soit à ce point génial. J'adore cette chanson. Si c'est une chanson. Parce que vous comprenez, les chansons, normalement, c'est fait pour exprimer ce que tout un chacun, un jour ou l'autre, éprouve. Alors que pas du tout. Quand Heaven est chanté en 1983 à Los Angeles par les Talking Heads, ça exprime ce que personne jamais n'a écrit. Personne. Vraiment personne? Personne sauf un dénommé Friedrich Nietzsche, philosophe de profession. Le même Friedrich. Il s'est un peu égaré dans les montagnes de Suisse en haut en Galilée. Aux alentours de Cismariga, en 1883, très exactement, c'est-à-dire 100 ans avant la chanson en question. Et il a eu une vision. Brusquement, il lui est apparu un truc incroyable, c'est que tout éternellement recommençait à l'identique. Alors du coup, il voulait livrer à l'humanité sa formidable révélation. Il a créé un personnage, Zarathustra, et il lui a confié la tâche de délivrer le message. Problème, il n'y arrive pas. Premier volume de Zarathustra, deuxième, troisième, il n'arrive toujours pas à faire parler Zarathustra. Alors finalement, Zarathustra, il a une idée géniale, il dit, je vais en faire une chanson. Oui, mais alors là, les animaux de Zarathustra, parce que Zarathustra, il a des animaux. Il a un aigle, il a un serpent, et ces animaux lui disent, Neue Lieder, neue Lieder. C'est-à-dire, si tu veux faire de nouvelles chansons, eh bien, il te faut une nouvelle ligne. Thank you.
Que vous voulez danser avec moi. Vous voulez danser avec moi? Come dance with me. Merci.
voulez vous m'accompagner ? Messieurs, dames. Messieurs, dames, vous êtes les bienvenus. Bonjour. Messieurs, dames. Je suis mort depuis peu. Mon corps pend à une corde, étrangement vêtu. Mes dernières paroles viennent de résonner. Il y en a eu un, finalement, qui a fait un bon usage de la mort. Oui, c'est ce que j'ai dit avant d'être un pendu qui se balance. Arrangé de façon vraiment abominable. Jeter un regard en arrière, comme un flashback, sur les derniers actes significatifs et typiques de ma vie. À présent, c'est la seule chose que j'ai envie de faire. Donc voici. Cet homme qui vous parle au bout d'une corde, les vertèbres du cou brisées, le corps déjà froid a été un homme comme tous les autres. Ni un poète, ni un fou, ni un misérable, ni un drogué. Comme tous les autres, il a pris le parti du pouvoir. Du pouvoir qu'on a ou auquel on participe, peu importe. Et puis, appartenir au parti du pouvoir, cela ne veut pas dire être un homme de parti. Au contraire, celui qui accepte d'être le détenteur, tranquille, anonyme, estimé d'une parcelle de pouvoir, si petite qu'elle soit, celui-là veut, avec la force animale de l'instinct,
que son existence et celle d'autrui soient grises, sans choix et sans passion. La liberté est dans l'orbite du pouvoir, celle de l'homme qui ne se heurte pas à sa propre existence. Oui, j'ai été véritablement libre et indépendant parce que j'ai accepté, sans la moindre réserve, que le pouvoir existe. Je m'y suis adapté. Avec tout le conformisme nécessaire et en homme normal, j'ai essayé de vivre ma part. J'ai été de ceux qui, dans leur liberté, n'ont connu ni amour, ni charité, ni autre scrupule de conscience. Mais la paix, comme la guerre, laisse des traces sanglantes. Une autre montre elle-même ne devient pas différente d'elle-même. Et chose importante, que doit faire celui qui est différent? Nègre, juif, monstre, qu'es-tu donc tenu de faire? Reconstruire la réalité en toi? La rendre à nouveau réelle? Ou au contraire, peut-être dois-tu l'accepter? L'accepter comme tu l'as trouvé? N'as-tu donc rien d'autre à faire, toi qui es différent, que de te perdre pour ainsi te retrouver? Peut-être qu'en te privant de sympathie et de droits humains, tu pourrais te rendre sain. Et avec toi, le monde? Bah. Je n'ai jamais réussi à répondre à ces questions. Sinon, confusément, je le répète, quelques instants avant de me pendre. Mais ce que ma mort éclaire dans ma propre existence, si c'était un spectacle, je crois qu'aux spectateurs, mes ennemis, eux qui veulent se protéger de moi, je dirais, je vous en prie, soyez comme ces soldats, les plus jeunes d'entre ces soldats, qui sont entrés les premiers, par-delà les barbelés d'un camp, leurs yeux, alors. Ah, je vous en prie, soyez jeunes comme eux. C'est tout. Et maintenant, amusez-vous! I'm fine.
Merci.